Après une formation de 6 mois aux pratiques de la mécanique auto, d'électricité, bâtiment et de couture, 75 apprenants de la promotion appuyés par l'OIM et le PAM du Centre de formation professionnelle et technique d'Ati, dont 17 filles sont à l'honneur. Ils reçoivent leurs attestations de fin de formation demain de la ministre de la formation professionnelle et des métiers, Kassiré Isabelle Housna, et d'autres invités de marque. Ils ont acquis des connaissances pratiques et théoriques leur permettant d'avoir des projets propres à eux. Le gouverneur du bataillon Jimta Bendergon a saisi l'occasion pour demander aux jeunes du Bata de fréquenter le centre de formation professionnelle et technique pour apprendre des métiers toujours sollicités sur les marchés d'emploi. S'adressant aux lauréats, la ministre de la formation professionnelle et des métiers, Kassiré Isabelle Housna, dit espérer que ces attestations lui serviront dans leur vie. Au ministère de la formation professionnelle, nous disons une formation, une insertion qui est égale à un emploi. Lorsqu'on est formé, on peut créer sa propre entreprise avec un bon accompagnement, avec des kits, non seulement pas les kits, mais les accompagnants dans l'entrepreneuriat. Comment entreprendre, comment élaborer un bon business plan pour réussir son entreprise, son projet. La ministre a mis terme à son séjour à Ati par la visite des installations du centre de formation professionnelle et technique et un jardin maraîcher dont les promotrices bénéficient d'un appui de l'OIM.